comment? Eh, trois chansons? Je demande. Non. Là, on va chanter. Comme il est au non, bas. Non. Les gars, c'est le troisième carabal qui est Kenya. Non. Tu feras une chanson en lingala un jour? Totalement en lingala, c'est possible? Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'en parlais hier en plus. Non, j'ai. Moi, lingala, mon quête, c'est quoi? Oui, ça me comble. Oui, ma bande mon nid d'adieu. Oui, ma reine. Reine que j'ai aujourd'hui. Voilà, pour moi, tout le monde a un modèle ou un exemple. Ou, ça aurait dû être... pour un garçon, on dit souvent que ça doit être une figure masculine, mais pour moi, c'est ma mère. Je suis d'accord. J'appuie ça. Mais tu as un problème avec ton public de Kinshasa. Comment ça? En 2018, il y avait une production de toi ici, au pays. Mm-hmm. Et tu sais, toi, tes fans, ce sont nos enfants. Ouais. Nos enfants que nous amenons au concert, que nous ramenons à temps. Mm-hmm. Il s'est posé un problème. Jusque 20h, Dadju n'était pas sur le podium et les enfants, beaucoup étaient frustrés. Qu'est-ce qui va se passer cette fois-ci? Comment ça va se passer? Bah, écoutez, déjà, c'est bien que vous me posiez la question parce que j'ai ce problème-là, pas que à Kinshasa, j'ai eu ce problème-là déjà dans plusieurs pays d'Afrique. Effectivement, ça se passe jamais comme prévu. Si on dit qu'on doit chanter à 20h, il y a toujours un peu de retard. Le retard, c'est pas moi qui j'ai pas encore mis mes baskets ou je sais pas. C'est Dadju qui a été traité de tout le monde. C'est pas ça. Ouais, les enfants se sont fâchés. J'en parle parce que j'étais là en fait. Au final, c'est sur moi que ça va. Au final, c'est sur moi que ça va tomber. Mais en fait, il y a toujours des problèmes d'organisation. Ça veut dire que j'essaye de faire passer énormément d'artistes. Okay. Ensuite, ça se passe mal avec certains artistes. Donc, il y a des artistes qui mettent du temps. Ensuite, il y a des problèmes techniques. Le micro, finalement, il n'est pas arrivé. Finalement, il n'y a pas ça. Finalement, il faut ça. Si ça tient qu'à moi, je fais une tournée en France. Je chante tous les jours à 21h et le 21h pile, je suis sur scène. J'ai pas de problème à être à l'heure. Le problème, c'est juste que l'organisation d'ici, c'est toujours en Afrique, là, c'est toujours compliqué. Et là, qui t'organise pour qu'on arrange ce problème là maintenant là? Ben là, j'essaye de mettre des choses en place. Je continue quand même à inviter les artistes au maximum pour qu'ils puissent performer quand même, parce que ça peut être la chance de leur vie. Par contre, je fixe une heure qui fait que si vous dépassez cette heure là, c'est trop tard, c'est mort. Moi, je vais venir chanter quand même. Donc, j'essaie quand même d'essayer de gérer au maximum. Après, je peux pas porter les gens sur scène et les emmener à l'extérieur. Je peux pas faire ça. Je trouve que c'est un manque de respect aussi. Alors, Dadju est à Kinshasa. Ouais. C'est le 11. Alors, nous revenons à la réalisation pour le spot. Suivre le spot qui annonce cet événement. Et on revient à Dadju juste après. Je suis très impressionnée. Merci. Dadju. Alors, tu as réalisé un featuring avec Fally. Ouais, c'est ça. Un coup, ouais. Et ça, c'est parti là. Ouais, ça a bien fonctionné, hein. Ça a bien fonctionné, je suis content. Fally et moi, on a fait plusieurs titres ensemble et là, ça a souvent fonctionné. Et quel est le featuring de ton rêve? Tu rêves de réaliser un featuring avec qui? Enfin, au Congo, je suis au Congo. Restons ici. Je dirais que c'est avec mon père. J'ai pas encore fait de featuring avec mon père. Tu connais cette chanson quand même? Bien sûr. Ah, comme quelle chanson? Dalida. Ah ça c'est de la triche là. Maman Dadju. Oui. Tango Bodi. Tango Té maman. Buena moana. Ouais. Ana ni on a banu abiso. C'est-à-dire, français, Dadju, on va terminer parce qu'on est en direct. Ton message par rapport à cet événement, pour qu'il y ait plus de couacs de la fois passée. Comment ça... Et dis-moi, tu vas me faire vraiment trois chansons ou bien c'est comment? Eh, trois chansons? Je demande. Non. Là, on va chanter. Comme il est au non, bas. Non. Les gars, c'est le troisième carabal qui est Kenya. Non. Tu feras une chanson en lingala un jour?
totalement lingala, c'est possible? Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas, j'en parlais hier en plus. Non, j'ai lingala, c'est quoi le yé? Oui, ma banze mouni d'adjou. Oui, ma reine. Reine, na jaloux. Jaloux. Un coup. Exactement. Na papa. T'aimes bien, papa? Oui, ça, c'est émouvant. Non, il y a plein. J'ai jamais chanté trois chansons. À chaque fois que je suis venu à Kinshasa, j'ai toujours chanté au moins deux heures. Okay. Là, on va refaire ça. Et donc, voilà, venez nombreux au Shark Club. Ça va être, on va faire la fête. Ça fait des années que je voulais venir ici. Je voulais passer aussi un joyeux anniversaire à Yann Belil. Beleke, pardon. Et voilà, tout mon public ici à Kinshasa, je suis ici, je suis venu, je suis là pour un bon moment. Le bal à Lingala, c'est Boya et Bélé, Naba maman, Naba Nabana, Naba papa. Franchement, tout ça, la fête, c'est copé là. On est ensemble. Ok, donc moi d'adieu. Tout coûte à Malé 11, hein? Ben, oui. Et entre temps, il y a le tournage de films aussi. Le film, tu le fais aussi en temps. Les acteurs, tu es bon, c'est bon. Ouais, tu n'en rajoutes pas. Hein. Bon, si jamais tu as besoin, on est d'accord. Merci à vous tous qui nous avez suivis. On était en direct sur la télévision nationale. Et on recevait pour vous le fils de... Comment, trois chansons. Je demande. Non, bah, non, bah, là, on va le bas. Non, tu feras une chanson en lingala un jour? Totalement lingala, c'est possible? Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. J'en parlais hier en plus. Non, reine que j'ai aujourd'hui. Voilà, pour moi, tout le monde a un modèle ou un exemple. Ça aurait dû être... pour un garçon, on dit souvent que ça doit être une figure masculine, mais pour moi, c'est ma mère. Je suis d'accord. J'appuie ça. Mais tu as un problème avec ton public de Kinshasa. Comment ça? En 2018, il y avait une production de toi ici, au pays. Et tu sais, toi, tes fans, ce sont nos enfants. Ouais. Nos enfants que nous amenons au concert, que nous ramenons à temps. Et c'est posé un problème. Jusque 20h, Dadju n'était pas sur le podium. Et les enfants, beaucoup étaient frustrés. Qu'est-ce qui va se passer cette fois-ci? Comment ça va se passer? Bah, écoutez, déjà, c'est bien que vous me posiez la question parce que j'ai ce problème-là, pas que à Kinshasa, j'ai ce problème-là déjà dans plusieurs pays d'Afrique. Effectivement, ça ne se passe jamais comme prévu. Si on dit qu'on doit chanter à 20h, il y a toujours un peu de retard. Le retard, ce n'est pas moi qui j'ai pas encore mis mes baskets. Ou c'est pas Dadju qui a été traité de tout le monde. C'est pas ça. Ouais, parce les enfants se sont fâchés. J'en parle parce que j'étais là en fait. Au final, c'est sur moi que ça va. Au final, c'est sur moi que ça va tomber. Mais en fait, il y a toujours des problèmes d'organisation. Ça veut dire que j'essaye de faire passer énormément d'artistes. Okay. Ensuite, ça se passe mal avec certains artistes. Donc il y a des artistes qui mettent du temps. Ensuite, il y a des problèmes techniques. Le micro, finalement, il n'est pas arrivé. Finalement, il n'y a pas ça. Finalement, il faut ça. Si ça tient qu'à moi, je fais une tournée en France. Je chante tous les jours à 21h et les 21h pile, je suis sur scène. J'ai pas de problème à être à l'heure. Le problème, c'est juste que l'organisation d'ici, c'est toujours en Afrique, c'est toujours compliqué. Et là, qui t'organise pour qu'on arrange ce problème là, maintenant là? Ben là, en fait, j'essaye de mettre des choses en place. Je continue quand même à inviter les artistes au maximum pour qu'ils puissent performer quand même, parce que ça peut être la chance de leur vie. Par contre, je fixe une heure qui fait que si vous dépassez cette heure-là, c'est trop tard, c'est mort. Moi, je vais venir chanter quand même. Donc j'essaie quand même d'essayer de gérer au maximum. Après, je peux pas porter les gens sur scène et les emmener à l'extérieur. Je peux pas faire ça. Je trouve que c'est un manque de respect aussi. Alors, Dadju est à Kinshasa. Ouais. C'est le 11. Alors, nous revenons à la réalisation pour le spot. Suivre le spot qui annonce cet événement. Et on revient à Dadju juste après. Je suis très impressionné. Merci, Dadju. Alors, tu as réalisé un featuring avec Fally. Ouais, c'est ça. Un coup, ouais. Et ça, c'est parti là. Ouais, ça a bien fonctionné. Hein. Ça a bien fonctionné. Je suis content. Fally et moi, on a fait plusieurs titres ensemble et là, ça a souvent fonctionné. Et quel est le featuring de ton rêve? Tu rêves de réaliser un featuring avec qui? Enfin, au Congo. Je suis au Congo.
Restons ici. Je dirais que c'est avec mon père. J'ai pas encore fait de featuring avec mon père. Tu connais ces chansons quand même? Bien sûr. Ah, comme quelle chanson? Dalida. Ah ça c'est de la triche là. Maman Dadjo. Oui. Tango Bodi. Tango Té maman. Buena moi là. Ouais. Anna Nyona Banu Abiso. C'est-à-dire, bah nous sommes au bafan rabanda kouana, bah français, bah nous avons 21 ans bazungi. Moi je suis le gros zali, bah organisateur kouana, au côté de Gambouana, pour essayer de mettre un ballon dans ma tête. Il faut bayaka quand même. Il faut bayaka quand même pour y ambala oyo, bah on met comme ça la effort de façon que ça la. Et ça là, mon boulot était, ouais. Bah il a moins la terre. Bah il n'a été plus à rappeler toujours, c'est pas de sa faute en fait. Alors, Dadjou, on va se terminer parce qu'on est en direct. Ton message par rapport à cet événement, pour qu'il y ait plus de couac de la fois passée. Comment ça... Et dis-moi, tu vas me faire vraiment trois chansons ou bien c'est comment là? Et, trois chansons? Je demande. Non, là on va chanter. Tu as commis l'olé de l'or là-bas? Non, bah pas c'est lié. Non, pas c'est lié. Tu feras une chanson en lingala un jour? Totalement lingala, c'est possible? Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas, j'en parlais hier en plus. Non, j'ai... C'est lingala, c'est quoi l'olé, 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 c'est exactement. Oh. Na, papa. T'aimes bien hein, papa? Oui, ça c'est émouvant. Non, il y a plein. J'ai jamais chanté trois chansons. À chaque fois que je suis venu à Kinshasa, j'ai toujours chanté au moins deux heures. Okay, là, on va refaire ça. Et donc voilà, venez nombreux au Shark Club. Ça va être, on va faire la fête. Ça fait des années que je voulais venir ici. Je voulais passer aussi un joyeux anniversaire à Yann Beleke. Et voilà, tout mon public ici à Kinshasa. Je suis ici, je suis venu, je suis là pour un bon moment. Le bal à Lingala, c'est Boya et Bélé, Naba maman, Naba Nabana, Naba papa. Franchement, tout ça, la fête, c'est copé là. Okay, on est ensemble. Oh, oh. Ok, donc moi, Dadjou, tout coûte à Maléon, c'est hein? Bah, oui. Et entre-temps, il y a les tournages de films aussi. Le film, tu le fais aussi dans l'entretemps. Les acteurs, tout est bon, c'est bon. Ouais, c'est tu bon. N'en rajoutes pas. Hein. Bon, si jamais tu as besoin, on est d'accord. Merci à vous tous qui nous avez suivis. On était en direct sur la télévision nationale. Et on recevait pour vous le fils de Dieu. Mon entier, bon temps les langues. Congo température, y'a maman Rosette et la fleur. Nadambou. Congo température, et y'a na mon pépé asika. Y'a tobina, Congo température. Et y'a na mon pépé asika. Y'a tobina, Congo température.